Bonjour, bonsoir à tout le monde. Bon, je suis Monsieur Aïdara, je suis le porte-parole du comité de l'Angleterre basé à Londres. Et ce soir, nous avons tenu à nous réunir ce soir pour rendre un vibrant hommage et vraiment dire merci à notre père spirituel, le prophète Joël Crasso. Nous avons bataillé, nous avons tout fait pour qu'il puisse venir. Et avec son accord, vraiment je tiens à préciser, avec son accord, il est venu nous rendre visite ici à Londres. Et nous savons qu'il a j'essaie de trouver les mots juste, il a vraiment un temps très 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 chargé, un temps vraiment chargé, mais il a tenu à venir nous rendre visite et nous disons merci. Et nous tenons vraiment à dire merci à papa. Et comme je disais que son temps est vraiment chargé, et nous savons aussi qu'il est vraiment occupé, il a la fondation, il a l'orphelinat, et nous tenons vraiment, 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 vraiment à dire merci et vraiment à le soutenir. Parce que nous savons que nous ici, les enfants de l'Angleterre, nous faisons la différence. Nous marquons la différence et nous savons très bien le faire. Nous savons vraiment très bien le faire et nous allons vraiment démontrer au monde entier, aux autres enfants spirituels dans le monde entier, que nous sommes les meilleurs. Et nous allons les démontrer. Donc, je disais encore que nous allons dire merci à papa, parce que nous savons que nous tous, nous avons des problèmes. Nous voulons que papa prie pour nous. Mais nous aussi, nous tenons à vraiment soutenir le ministère de papa, le ministère de la compassion des âmes. Donc voilà en gros ce que nous avons tenu à dire à papa, que nous sommes prêts à soutenir ce ministère. Nous sommes prêts à montrer au monde entier que nous sommes différents et que nous allons marquer une différence très grande. Nous avons eu des réunions pendant des mois et nous allons démontrer, comme je l'ai dit encore, au monde entier que nous sommes les meilleurs. L'Angleterre, c'est la différence. Voilà. Merci. Nous avons tenu à faire cette réunion de, comme nous disons ici en Angleterre, de welcome, pour dire merci à papa. Nous avons préparé des présents. Nous avons préparé des présents pour papa. Et c'est une manière à nous de lui dire pour lui dire merci. Et aussi une manière à nous pour montrer au monde. Ils peuvent regarder cela juste comme deux ou trois petits cadeau, mais c'est du consistant, c'est du lourd à l'intérieur. Donc moi, le comité, nous disons grand merci à nos mamans qui nous soutiennent, qui nous donnent des conseils, et aussi vraiment merci à papa d'avoir effectué le voyage sur l'Angleterre. Merci et welcome papa.
Je ne sais pas si je dois prendre d'abord le cadeau avant de parler. Mais chez vous, qu'est-ce qu'on fait? On parle après le cadeau? Parce que je vais voir si le cadeau est consistant de parler. Vous avez dit, c'est le monde entier qui est en train de vous regarder. Qu'est-ce que je fais? Je m'approche, c'est ça? Ok. Ben, je tenais à vous dire merci, c'est important. On n'ouvre pas le cadeau maintenant, mais on ouvre ça dans la chambre. Mais c'est bien dit, on ouvre le cadeau dans la chambre. Voilà, donc c'est le présent. C'est très bien. Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Je tenais à dire merci. Surtout, je vais mettre là-bas, c'est mieux. J'ai préparé quelque chose que je dois. Je tenais à dire merci au comité d'organisation. Voilà, je tenais à dire merci, un grand merci au comité d'organisation pour votre présence ce soir. Que Dieu bénisse. Merci parce que je réponds à une invitation des enfants spirituels. Voilà, je réponds à une invitation des enfants spirituels. Comme hier, je rectifiais, je n'ai pas eu de tentative de venir ici. J'ai seulement refusé. On m'avait fait des propositions de venir sur Londres. Je n'ai jamais introduit mes affaires, mes papiers en ambassade. Voilà, j'ai vu seulement l'invitation, j'ai décliné l'invitation. Pourquoi? Parce que je suis serviteur de Dieu. Ce n'est pas parce que c'est Londres que j'ai couru. Dans le fond, quand on invite quelqu'un, c'est le fond qui nous intéresse. Quel est l'esprit qui est dans le fond? C'est ça qui nous intéresse. Et j'étais en train de bâtir une œuvre, bien sûr, à Divo. Il y avait aussi cette raison, mais ceux qui avaient organisé au départ, sans toutefois lancer un discrédit sur les gens, je n'ai pas aimé l'esprit dans lequel la chose devait s'organiser. Donc j'ai décliné l'invitation. Et comme je ne suis pas un homme oisif, je continue mon travail. Mon travail de bâtisseur, voilà, de bâtisseur, comme vous le savez aujourd'hui. J'ai dit, les gens m'ont connu via YouTube. Voilà. Et vous m'avez connu, vous savez où je me trouve. Je ne suis pas quelqu'un qui est caché. Le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir une spécialité, la destruction des œuvres de la sorcellerie. Dieu m'a utilisé, j'en suis fier. Fier parce que ce n'est pas de l'orgueil. Mais pour qu'on arrive là, on a vécu beaucoup de combats. Pour que Dieu, je suis fier de voir Dieu m'utiliser pour ouvrir les yeux du monde entier sur le phénomène du diable, qu'on appelle la sorcellerie. Pour moi, c'est une victoire. Parce que le combat réel est mené contre le diable. C'est pour ça que la Bible, en conclusion, dit « Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. » Nous savons qu'il y a eu guerre dans le ciel. Et la Bible dit « Malheur, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peur de temps. » L'Église, que le corps de Christ, c'est vrai, nous prêchons l'Évangile, mais nous ne préparons pas nos fidèles au combat. Parce que non seulement qu'on écoute l'Évangile, mais nous devons comprendre qu'il y a un combat. Et le combat, il ne faut pas rester dans les rêves. Le diable est toujours là, n'est-ce pas, chaque fois notre trousse, pour pouvoir nous détourner, n'est-ce pas, de la voix de Dieu. Tu peux te dire comme ça? Voilà, que Dieu te bénisse. Hein. Merci beaucoup. Le porte-parole, ça me fait du bien. On dit que le cadeau, il est consistant, c'est ça? Oui. Connaissez ma bouche, j'ai fait des rapports au monde entier. Parce que si vous avez dit, c'est consistant. Ils vont me poser les questions. Je venais faire le point demain. Voilà, mais je suis content. Le cadeau, il est de valeur. C'est vraiment un présent. C'est symbolique, c'est grand. Déjà de penser que quelqu'un est venu, comme le prophète Crasso, qui est votre père spirituel, et de lui présenter un présent. Et ça fait vraiment chaud au cœur. Et pour cela, je dis merci. Et comme je disais, le Seigneur m'a puissamment utilisé. Il m'utilise du moins pour ouvrir les yeux du monde entier. Et le boulot que j'ai fait, je suis convaincu. Parce que dès le départ, j'ai été averti par le Saint-Esprit que ça ne serait pas facile. Et ça, je le sais. Comme Jésus-Christ lui-même, son combat, quand il commençait, selon la prophétie d'Ésaïe et d'autres prophéties, qu'il venait, n'est-ce pas, être crucifié et ressuscité. Voilà, donc il avait un cheminement de tout son parcours sur la terre. Et donc, quand Dieu t'appelle, non seulement ça, il te révèle les bonnes choses, mais il te révèle aussi les inconvénients dans le ministère. Donc, j'avais toute cette révélation possible. Et j'étais convaincu que attaquer le diable n'est pas une chose facile. Tu peux prêcher l'évangile, dire Jésus-Christ est sauveur et Seigneur, mais aller attaquer le diable, dénoncer surtout, sans peur ni crainte, les œuvres du diable, tu vas l'attendre, il sera toujours à ta trousse.
il fera tout ce qu'il fera. Je suis convaincu de mon appel. Voilà, je suis convaincu de mon appel. Et quand Dieu vous appelle, n'est-ce pas, vous partez d'un point et un autre point. Ce sont de la réalisation, n'est-ce pas, de la parole de Dieu dans la vie de quelqu'un. Voilà, je suis serviteur de Dieu basé en Côte d'Ivoire. Le Seigneur m'a appelé, j'ai travaillé par la grâce de Dieu. J'ai fini ma formation, je suis venu, revenu, j'ai travaillé avec une grande institution dans le monde. J'étais à Praia et je suis revenu en Côte d'Ivoire pour entrer pleinement dans mon ministère. En 2006, là j'ai commencé le ministère prophétique, enfin j'étais déjà pasteur, missionnaire. Mais le ministère de prophète, c'est en 2006 j'ai commencé, j'ai démarré. Et on a démarré dans les broussailles, tout ça. Je suis aussi, j'ai aussi une licence en missiologie. Je suis fondateur, c'est-à-dire je peux fonder pas en un rien de temps une mission. Voilà, je suis fondateur parce que j'ai appris ça. Voilà, donc au départ, je fondais des églises, puis le Seigneur m'a dit, quitte là, rentre dans ton ministère, qui est un combat spirituel. Et Dieu me montrait comment ça ne devait pas être facile pour moi. Et ce n'a pas été facile vraiment, et ce n'est pas facile. Je suis allé d'abord à Abidjan, d'abord à Soubré, où on a bâti les églises. J'ai eu beaucoup de fidèles. Il m'a dit, non, on ne rentre pas dans ce système. Et on a commencé un ministère. Je me retrouve à Abidjan. Et après Abidjan, j'ai commencé à m'inviter dans les villages, des différents villages de la Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça, la presse ivoirienne a commencé à me suivre. Voilà, parce qu'ils étaient vraiment dépassés de voir des sorciers parler. Est-ce que c'est vrai? Donc, ils menaient leur enquête et ils découvraient des grandes choses qui se passaient au travers de mon ministère. C'est comme ça qu'ils m'ont fait connaître au grand jour, au niveau de la télé. Et c'est comme ça que je suis devenu consultant. J'ai été l'homme de Dieu qui a eu la première mission sur la sorcellerie en 2009. Alors, je vous parle de 2009, on va la guerre, on va la crise. J'ai eu 1h30 d'émission sur plateau, c'est-à-dire débat, c'est-à-dire je suis l'homme et pose des questions et je parle avec eux. J'étais l'homme de Dieu qui a lancé le défi à tous les mystiques. C'est pour ça que vous voyez qu'à un moment donné, c'est fini, ils ont fermé la bouche. J'aurais dit, moi, mon ministère, il est pratique. C'est-à-dire, il n'est pas théorique où on vient par beaucoup. Si vous ne croyez pas, vous m'envoyez un féticheur ou même vous m'envoyez un sorcier pour un débat contradictoire. Voilà, parce que vous allez parler tout ça. Voilà un débat contradictoire. Donc c'est comme ça, Dieu m'a révélé au grand jour aux Ivoiriens. Et non seulement aux Ivoiriens, heureusement que la Côte d'Ivoire, la télévision ivoirienne émettait partout. C'est comme ça les gens commençaient à appeler la télévision pour dire ce monsieur qui vient de parler des sorcelleries là, il est où? On veut le voir. Donc les gens m'ont appelé, me disent mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit mais justement j'ai touché leur problème. J'ai touché leur problème. C'est le problème de l'Afrique. Nous vivons tout ça. Voilà, vous êtes mieux. C'est ce que les Blancs ont combattu. Ils ont combattu, ils sont rentrés dans le développement. J'ai un problème. La sorcellerie existe bel et bien. Nous le vivons au quotidien. Les gens vivent avec. Parce que pour eux, il faut faire avec. Il n'y a pas de solution. Et quelqu'un qui surgit dans une télévision ivoirienne et qui n'a pas peur, parce qu'avant ça faisait peur. C'était comme un mystère, mythe. On a peur de dénoncer, on a peur. Ah, si on parle de ça. Moi, plusieurs fois, les gens sont venus me dire, tu parles de sorcellerie, là, est-ce que tu vas vivre longtemps? Parce qu'il y a des gens qui ont changé avec les sorcelleries, on les a tués, hein. J'ai dit, il y a des gens, eux, ils parlent de ça. Moi, j'ai été appelé par Dieu pour parler de ça. C'est différent. C'est différent que quelqu'un se lève un matin qui vient de parler de ça. Moi, j'ai été mandaté par Dieu. Donc, c'est différent. Voilà, donc, j'ai été révélé au grand jour. Et le Seigneur m'a puissamment utilisé au travers des médias. Parce qu'il fallait démystifier la chose. Les gens ont peur dans leur village. C'est ce qui est vrai. Qu'on veut ou pas, chacun a une expérience de la sorcellerie. Que tu crois à ça ou pas, ça existe, frère. On ne peut pas nommer quelque chose qui n'existe pas. Oh non, ça n'existe pas. Va, tu vas te manger. Ils vont te détruire. Ils sont là pour ça. Et donc, quand j'ai commencé à proposer la solution, qui est Jésus-Christ, qui n'est que Jésus. Pour moi, la solution, c'est Christ. Il n'y a pas une solution ailleurs. C'est-à-dire, qu'on parle ou pas. Et du coup, j'ai monté une cellule. Donc, tous les dimanches, soir, à l'Arc Palmas, en 2009, j'avais la plus grande église déjà. C'est-à-dire, quand les gens finissent leur église, il vient se recevoir chez moi de 15h à 21h, le monde. Donc, les gens venaient et ils recevaient la solution. Parce qu'on touchait de près. Ceux qui étaient sortis dans leur famille dénonçaient, je partais chez eux. Et c'est comme ça que je partais dans les maisons. Et Dieu m'utilisait et tout ça. Donc, j'avais une grande église à Abidjan. Je vivais très bien. J'étais au deux plateaux vallons. J'avais une grande maison que je louais à 500 000 francs. Je ne sais pas comment ça fait pendre, mais ça fait 700 dollars. Donc, je vivais très bien. C'est dans ça. J'étais en pleine croisade à Daloa et que Dieu m'a dit, va à Zaroko. Je suis allé d'abord en mission à Zaroko travailler et Dieu m'a dit, c'est ici que tu vas commencer une mission. Ah! C'est-à-dire, je ne suis pas, c'était pas quelqu'un qui n'avait pas d'église. Non, j'avais déjà une église, il y avait des gens autour de moi. Déjà, j'étais déjà connu à la télé.
on parlait de moi dans la presse et tout ça. Et puis je disparais. Je m'en vais dans un village qui n'est même pas mon village, où il n'y a pas d'eau potable, c'est-à-dire il n'y a pas de l'eau. On va prendre l'eau de Marigot pour se laver. La voix est bizarre. Donc je regarde, je dis, Seigneur, je suis prêt. Et quand j'ai annoncé ça à d'autres personnes, beaucoup m'ont fui. Ah oui, parce que c'est à moi Dieu a parlé. Qui est malheur, qui aime vivre dans la galère? On va quitter Abidjan où on mangeait déjà des vrais plats, tout ça. On partait manger dans les vrais restaurants. Et puis du coup, on va se retrouver au village. Il fallait avoir l'amour. C'est pour ça que mon ministère, c'est la compassion des âmes. Et donc, on a payé le prix. On allait, Dieu m'a puissamment utilisé dans ce village. C'est ce que j'ai dit aux gens. Il y a ce que les gens disent. Mais levez-la. C'est-à-dire, vous pouvez aller vérifier vous-même d'où vient le prophète. Et c'est où vous m'avez connu via YouTube. Ah oui, c'est tout. Je ne suis pas venu ici. Tout le monde s'est déplacé pour venir. Voilà, donc, Dieu entre 2013, déjà, on a commencé un travail. Et aujourd'hui, le village où Dieu m'a envoyé, aujourd'hui, ils ont de l'eau potable, ils ont château d'eau. Ils n'avaient pas de dispensaire. Du moins, ils ont construit. Mais ça faisait 10 ans qu'ils s'étaient fermés. Dieu m'a utilisé, je suis allé, j'ai ce don-là. Cette capacité de voir, s'il y a un fétiche, peut-être ça fatigue les gens. Mais c'est ce qu'on appelle diversité de dons. Parce que Dieu est souverain, pourquoi vous le limitez? Moi, je crois, je demande, s'il y a encore d'autres dons, j'en ai besoin. Aujourd'hui, les gens, ils ont des radars, ils ont détecteurs de miniers. C'est-à-dire qu'ils peuvent venir sonder pour voir s'il y a de l'or ou pas. L'homme a cette intelligence-là. Ce n'est pas Dieu qui ne peut pas voir ça. Donc, moi, j'ai le sondage. S'il y a un fétiche dans ta maison, j'ai ce don-là. Dès que je rentre, je prends ça. C'est un don. Voilà. Je combats le diable, donc je ne suis pas du diable. Donc, Dieu va m'utiliser pour transformer un village où, par semaine, les gens... C'est-à-dire 9 corps venaient dans le village par semaine. On commençait à enterrer les gens à partir de... Voici mon histoire. Hein? Voilà, parce qu'il faut que vous puissiez savoir qui est en face de vous. De mercredi jusqu'à dimanche, ils ont rempli un cimetière en 2 mois. Donc, tout le monde a peur. Et le Seigneur va m'utiliser. Je déteste le cardinal. Du coup, le chantier reprend. Aujourd'hui, le dispensaire est réhabilité. L'infirmerie est réhabilitée, on a fait un documentaire, vous avez bien vu. Les enfants qui ne venaient plus au village, j'ai pu organiser des séries, n'est-ce pas, de football chaque année, même pendant le décembre, pour ramener les gens, n'est-ce pas, au village. Encore, à Divo, nous avons posé une base, qui est un centre de délivrance. Et en même temps, mon combat pour l'avenir de l'Afrique, c'est d'amener les enfants à l'école. Donc, Dieu me met à cœur de créer, de fonder une fondation, selon la Bible, qui dit... Une vraie religion, sans tâche, consiste à aider les veuves et les orphelins. Comme la Bible en parle, j'ai dû vendre ma première voiture. Je l'ai vendue, ma première voiture. La fondation, vous voyez, vous savez, l'album là, vous avez ça? Vous cherchez la voiture? Ouais, manque son genre. On a des preuves ici de la fondation. J'ai vendu ma première voiture pour poser les premiers fondements. Et la fondation, c'est à fond propre. C'est mon propre argent. Voilà, 27 millions, j'ai mis dedans. Je suis allé prendre des enfants abandonnés. Aujourd'hui, je crois, on a démarré, on vient de faire un bilan d'une année. Mis de rien, on a dépensé 19 millions. Mis de rien. C'est-à-dire, on a injecté 19 millions dans la vie des gens. Mais ce n'était pas gratuit parce qu'ils nous ont fait honneur. Parce que ces enfants, il y avait des répétiteurs, il y avait des gens qui les forment en anglais parce que l'anglais, c'est la meilleure langue. Et ça, que Dieu bénisse tout ça. On va aussi tous... apprendre aussi l'anglais parce que c'est important. On a commencé à se débrouiller un peu. On banalisait l'anglais au lycée, mais ça nous a rattrapé ici. Amen. Voilà, donc, on suit les enfants. C'est pour ça que dans la vie, il ne faut jamais dire « lui ne deviendra rien ». Il faut toujours, si tu ne peux pas aider quelqu'un, il ne faut pas le nuire. Voilà. Chacun d'entre nous peut apporter sa pierre, c'est-à-dire apporter de l'aide à notre nation, autour de nous, à notre vie. Donc, notre combat pour nous, contre le phénomène des microbes, c'est d'abord nous-mêmes se mettre dedans. Parce que l'Église ne doit pas se mettre en marge des affaires de la société, de son pays. Donc, étant même à Divo, je vous ai dit, je suis à Divo. Je suis à 2h15 d'Abidjan. C'est comme ça que vous m'avez connu. J'ai laissé chez moi l'Église, si on a trop eu
offrande par mois, c'est 8000 francs. Aujourd'hui, les chipas là, si on a trop, c'est 2500. Mais qui vient? Les gens viennent pour se faire délivrer. C'est quand on vient, il y a peut-être 40 000, les petits offrandes, parce que les gens viennent un peu partout, pour dire, je suis dans une zone, si je voulais l'argent, je serais à Abidjan. Comprenez? Donc, j'ai supporté cette galère. J'ai donné de ma vie, de mon temps, de toute ma vie, c'est-à-dire même mon énergie, de l'argent. Je ne vis que pour les autres. La preuve, j'ai pu construire l'orphelinat. Ça y est là. On vient de faire un pont aujourd'hui. C'est 9 millions, 19 millions qu'on a injectés pour aider les enfants. Dieu merci, c'est notre fierté aujourd'hui. On compte encore leur, n'est-ce pas, pour leur scolarité l'année prochaine. Dieu merci. Dieu m'a mis à cœur de démarrer. Voilà, donc voici la fondation dont je parle. J'ai l'habitude de parler. Voilà, voici la fondation. On a commencé, vous savez, l'avenir, les Africains. Je m'occupe aussi des veuves. La fondation aussi s'occupe des veuves. Hein. On s'occupe aussi des veuves. Donc voici les veuves. On se bat pour la scolarité des enfants. Il faut les ramener à l'école. Voilà, vous voyez, déjà mon combat contre la faim. Voir déjà un enfant qui a faim, c'est déjà un problème pour moi. Comme notre ancien président dit que le ventre qui est vivant, l'homme qui est le ventre vivant n'est pas un homme libre. Vous comprenez? Voilà, donc voici les débuts de la fondation. Voici les débuts de la fondation. Et voici comment on a commencé la fondation, l'inauguration de la fondation. Et j'ai commencé, les enfants de quels les gens avaient peur. Ah non, ils sont sorciers, on les avait déjà délivrés. Or d'autres, ils sont comme ça, nous on les a récupérés. On a fait d'eux des meilleurs parce qu'ils sont là à l'école, ils nous ont donné un bon résultat. Au-delà de la chrétienté, il faut manifester l'amour. Parce qu'un vrai chrétien, il doit ressembler à Dieu, à Jésus, qui est sans raison, c'est-à-dire son amour. Un amour sans intérêt. Voilà. C'est un amour sans intérêt. Malheureusement, aujourd'hui, on constate dans le corps de Christ plus de haine, plus de méchanceté. Les gens sont sur les réseaux sociaux en train d'insulter. C'est venant de mener un combat. Or, la Bible dit qu'il faut annoncer la bonne nouvelle du royaume. Jésus dit, aimez-vous les uns les autres, sans que les gens reconnaîtront que vous êtes mes disciples. L'amour, c'est le partage. Voilà, on ne peut pas dire on aime quelqu'un si on ne partage pas. Et d'ailleurs, la Bible dit que la foi, sans les œuvres, elle est morte. Si tu dis que tu as la foi, il n'y a pas d'œuvre qui accompagne ta foi, mais frère, il faut t'arrêter. Ce que tu dis là, c'est des conneries. Or, la Bible nous dit, nos œuvres nous accompagneront. C'est pour cela que sur la terre ici, il faut poser les bons fondements. Voilà, donc voici ce que j'ai fait au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, les gens m'ont connu via YouTube. C'est comme ça, ils sont déplacés. En un rien de temps, deux ans, j'ai reçu plus de 6 000 personnes de la diaspora à Divo. J'ai fait connaître Divo. Les gens venaient, ils avaient des problèmes. Quels problèmes? Ils sont en Europe. Je reçois des invitations, telles que je disais en Angleterre, j'ai décliné ça. J'ai une invitation qui est venue de la France pour dire qu'il faut que tu viennes, mais on va d'abord faire cotiser les gens 30 000 euros pour que tu viennes. Je vous parle de 2015. J'ai dit, mais non, mais c'est moi. Je viens d'abord et puis on fait un programme. C'est pour ça que, écoutez très bien, moi je ne suis pas venu faire plaisir à quelqu'un. Je ne rentre pas dans le système des gens. Quand j'ai déjà un programme, Dieu me parle. Voilà, c'est ce qui est intéressant. Et quand Dieu me parle, ça marche. Voilà. Vous avez peut-être votre système, mais quand je viens dans une localité, comme sous le mandat de Dieu, il m'a déjà montré ce que je dois faire. J'ai fait ça, je m'en vais. Je n'écoute plus l'homme. Peut-être que des gens disent, ah, mais je n'écoute pas l'homme. Parce que je ne suis pas serviteur d'une personne. Mais je peux voir si ce que tu dis est en conformité avec ce que Dieu m'a dit. Et ça marche, ça tient toujours comme ça. Dieu, il parle mieux que tout le monde. Dieu peut nous orienter plus que tout le monde. Et c'est ça qui est plus important. C'est un peu ma force. C'est ce qu'il disait, j'ai pris un risque. Quand j'ai laissé Abidjan, les gens pensaient que j'étais mort. C'était fini par moi, c'était fini. Mais me voici, je suis en train de faire le tour du monde. Les pasteurs sont étonnés, mes collègues Abidjan sont étonnés. Tu fais comment? J'ai dit le secret, j'ai payé le prix. J'apprends à obéir à Dieu. Quand le jour le Seigneur dit, vends ta voiture, je vends ma voiture. Le jour où le Seigneur lui prend, c'est ça. J'ai le sang du sacrifice et de l'obéissance. Voilà. Parce que j'obéis à Dieu. À la lettre. C'est-à-dire tout ce qu'il me dit, j'obéis. C'est pour cela que Dieu me bénit. Parce que ce que nous cherchons dans un ministère, c'est la bénédiction. Malheureusement, les gens ne veulent pas obéir. Ils sont dans des systèmes, c'est pour ça qu'ils ne sont pas bénis. L'argent, ce n'est pas l'argent qui bénit.
Ce n'est pas l'argent qui rend riche, c'est la bénédiction. Si tu as la bénédiction de Dieu, il te donnera l'argent. Parce que la Bible déclare que c'est la bénédiction qui enrichit. Et c'est ce qui est toujours cherché dans l'obéissance de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu me bénit. Donc en 2015, et quand j'ai mis mon système en place, j'ai dit, Dieu aimerait que je vienne, qu'on fasse un programme. Les gens disent, mais non, il ne faut pas que tu viennes d'abord. Nous, on va chercher d'abord l'argent. Est-ce que tu as les contacts en France? Donne-nous ces contacts. J'ai dit, non. Ce n'est pas en conformité avec ce que Dieu m'a dit. Donc, ce n'est pas la peine. Et les gens, ils m'ont appelé. C'était un groupe de pasteurs sur Paris. Ils m'ont dit, tu ne viendras jamais à Paris. J'ai dit, oh, vous, c'est de la comédie. Paris, pourquoi? Le jour Dieu voudra que je sois à Paris, j'arrive à Paris. Ah, c'est vous qui m'avez invité. J'ai dit, je ne viens pas. Et vous me dites, non, on va tout faire, tu ne vas pas venir. Et j'ai dit, ça veut dire que vous êtes satanique. En 2015, on m'a donné une invitation pour l'Italie. J'avais une de mes filles qui était malade, tout ça. Et elle voulait forcément que je vienne là-bas. Parce qu'on l'avait opéré, son estomac, tout ça, j'en avais bloqué. Ça dit, c'était difficile de respirer. Ses neveux devaient signer des contrats de UV de Turin. Il fallait que je vienne parce que c'était difficile. J'ai mis 2 semaines de réflexion. Parce que j'ai travaillé, hein, j'avais commencé déjà l'heure, les gens venaient. Et quand Dieu m'a dit, va, j'ai dit, il n'y a pas de problème. J'ai fait faxer, j'ai fait venir mon passeport. Je suis allé déposer mon truc. Je vous informe que j'appelle un ambassade qui va me refuser visa. Ça n'existe même pas sur la terre des hommes. Le jour où je mets mon passeport dans une ambassade, on met visa. Demandez eux-mêmes qui mettent visa là. Allez les demander. Quand ils font le check-in là, ils savent ce qu'on leur a dit. Aujourd'hui, Dieu merci, je suis à l'ONU. Je sais. C'est des secrets professionnels. Je n'ai pas envie de rentrer dans ça. Mais je compte sur la grâce de Dieu. Donc, il n'y a pas une ambassade sur cette terre des hommes. D'ailleurs, à cause de Dieu. Et si Dieu me veut quelque part, ils vont mettre visa. Voilà, ils vont mettre visa. Donc, je dépose mon passeport. On met le visa. Et la soeur, il m'a envoyé un billet. Excusez-moi, un billet bizarre dans un compagnie Sabena. Il a dit, excusez-moi, c'était la veille de mon voyage. J'ai pris mon propre argent. J'ai payé 1 million pour prendre Air France. J'aime bien cette compagnie. Je ne sais pas si c'est... On m'a goûté ça. Mais les Français, ils aiment trop. Mais ils savent bien, ils savent bien piloter. Donc, je prends Air France. Je viens. En Italie, je m'occupe d'une semaine. J'aide mes fils à Paris. Qui m'envoie 2000 euros rapidement pour dire, tu fais comment? Parce qu'on m'entendait si Paris. Je rentre un dimanche à Paris. Les gens m'écoutent. J'ai dit, j'ai fait un programme le mardi. Le mardi, j'ai fait un programme. Il y a eu 2000 personnes dans la salle. J'étais seul. Je peux vous montrer les vidéos. Ils sont là. J'étais seul. J'ai eu 2000. En plein hiver, c'était dans le mois de novembre. Déjà fin début novembre 2015. Il y a eu 2000 personnes dans la salle. On a reconduit le programme. Le propriétaire de la salle était épaté. Il dit, mais c'est quoi? Il dit, mais va écouter l'enseignement. Tu vas voir que tous ceux qui viennent là, ils savent que leur remède se trouve ici. Ils ont parlé ou leur donné paracétamol. Moi, je donne anti-palu. Donc, ils reçoivent le remède. Ils sont satisfaits. Quelqu'un, il a attaqué pour la société. Il dit, non, il faut prier, aller gêner. Or, moi, je lui dis, qui le mange? Qui veut le détruire? Et puis, je le délivre de ça. Et puis, je marque le sorcier. Donc, il va m'aimer. C'est pour ça que la plupart du temps, celui qui n'aime pas, il est satanique. Voilà. Et ça, je l'ai remarqué. Ceux qui ont des zones négatives en eux, ne m'aiment pas. Mais ceux qui sont les véritables enfants de Dieu m'aiment. Tu ne peux pas approcher le prophète Crasso. Regardez ce qu'il fait, puis il n'est pas l'aimé. Si tu regardes de long en large ce que je fais, si tu n'apprécies pas, c'est que tu es satanique. Voilà. C'est que tu es satanique. C'est ce que les gens ont vu pour que je rentre à l'ONU. Comme je vous disais, j'ai dit, moi, j'ai fait 3 semaines à Manhattan dans une suite. J'ai fait une semaine, on dit, non, ce n'est pas suffisant. Une semaine. Et c'est les mêmes gens qui m'ont mené à l'Union africaine pour rencontrer l'ambassadeur de l'Union africaine. Il est parti de me recevoir. Il me reçoit en audience. J'ai été reçu par Mme Cadet, la responsable de tous les ONG des enfants au monde. Elle m'a reçu en audience après la conférence. J'ai participé à la conférence des enfants africains. On m'a envoyé ça comme ça. On m'a envoyé la francophonie. Après la francophonie, on m'a envoyé pour assister à une grande réunion de développement concernant l'Afrique. Vous voyez? Donc, c'est parti comme ça. Donc, je reviens sur mon histoire. Je remplis les salles. Quand j'ai fini, je suis rentré. J'ai dit, vous voyez,
Le jour où Dieu aura besoin de moi à Paris, je suis venu à Paris. Donc c'est parti comme ça. Du coup, on a eu une vague de gens qui sont descendus en Afrique. Et c'est ça notre combat aujourd'hui. Aujourd'hui, là, c'est notre combat. Chaque Africain, un Africain, s'il n'est pas trop exagéré, il nourrit au moins minimum 20 personnes. C'est-à-dire, malheureusement, les gens pensent qu'étant en Europe, on pense qu'on ramasse. Comme là, c'est les pains roumains qu'on appelle votre monnaie, là. Hein? Les pains, les euros et tout ça. Et ils pensent qu'on les ramasse. Non. Pourquoi? Ça coûte de la monnaie. Et malheureusement, ces personnes sont victimes de la sorcellerie. Ils sont victimes de la sorcellerie. Mais chacun sa spécialité. Vous allez dans un CHU. Hein? Tu vas dans un CHU. Tu as un problème d'appendicite. Tu peux aller voir le dentiste. Il va te tuer. Ils vont te présenter un chirurgien. Et c'est le chirurgien frère qui va t'opérer. Chacun a sa spécialité. Donc il faut tomber sur un spécialiste pour régler le problème. De toute façon, celui qui n'est pas spécialiste, il va banaliser ton problème. Et moi, ma spécialité, c'est les œuvres de la sorcellerie. Donc, j'ai commencé. Et Dieu me dit, mets une église sur Paris. On a commencé cette année, 2018. Le Seigneur m'a dit, organise-toi, organise tous les enfants spirituels. C'est ce qu'on a commencé à faire. Parce que c'était vraiment important d'organiser et de vous suivre. Pourquoi? Parce que pour nous, au-delà de la prédication qu'on vous donne, l'évangile de Jésus-Christ, que vous soyez en mesure de vous prendre en charge. On a des idées. Aujourd'hui, j'ai monté une société qu'on appelle Barou, un coaching pour vous amener à comprendre qu'on peut partir de rien pour avoir l'argent. C'est coacher quelqu'un. Voilà, donc Dieu merci. On a essayé. Je suis allé en Italie, c'est bien. Il y a des endroits où je suis parti, il n'y a pas de problème. En Italie, je salue Denis Champion et tout ça. Voilà, parce qu'il y a des gens que tu rencontres, tu es béni. Il y a des gens que tu rencontres parce qu'ils ont de mauvaises ondes en eux, il y a toujours problème. Et j'ai toujours dit, sur la base du fait que je suis serviteur de Dieu, c'est sur cette base que les gens m'invitent. Sinon, on ne m'invite pas parce que je vends Bissap. Hein? Sinon, on ne m'invite pas parce que je chante. Sinon, je chante. J'ai jusqu'à 6 albums. Je chante très bien. J'ai un studio d'enregistrement. Je suis devenu producteur des artistes. Voilà, je suis auteur-compositeur déclaré au Burida. J'ai 6 albums. J'ai fait meilleure vente. Je peux vivre l'album. J'ai maintenant mon studio à moi. Je suis devenu producteur. Vous comprenez? Mais je ne suis pas appelé à être ministère des chants. Pas... Voilà, donc je suis serviteur. On m'a invité à Londres du fait que je suis serviteur de Dieu. Ils m'ont très bien reçu en Suisse. Gloire à Dieu, les enfants spirituels de Suisse. Il y a des gens qui sont dans l'ombre, qui me soutiennent, qui ne font pas bruit. C'est des gens comme ça que je veux rencontrer. C'est ma prière. Il y a des gens qui viennent, qui se font passer par enfants spirituels du prophète Crasso. Oh, ce sont les éléments du diable pour déstabiliser mon ministère. Or, il faut que certaines choses arrivent pour que je prenne confiance, conscience. Donc aujourd'hui, je suis devenu très prudent. Voilà, je suis devenu très très prudent. Ce fait qu'aujourd'hui, quand quelqu'un me dit papa, je le regarde. Est-ce que son papa est SSC? Ah oui? Est-ce que son papa est SSC? J'étais en Suisse, très bien passé. En Belgique, gloire à Dieu, viens. En Italie, gloire à Dieu. En Allemagne. Aujourd'hui, je suis en Angleterre. Amen. Et mon souhait, c'est que ça se passe bien. Souvent, on me pose la question. Je dis, je n'ai pas encore fini, donc je ne vous dis pas les points. Amen. Amen. Je dis, pour le moment, ça va. Amen. Parce que l'introduction, déjà, ça va bien. On mange déjà très bien. On vient de me présenter un truc, c'est bien. Je ne suis plus le prophète de la Côte d'Ivoire. Et ça, vous devez le savoir. Le statut que j'atteins, je suis devenu international. Donc le prophète Crasso, quand il vient sur Londres, merci pour l'accueil. L'accueil, c'est comme ça l'accueil. Je ne suis pas quelqu'un qu'on doit prendre comme ça, puis on l'a le pressé. Non, non, non. Amen. Merci déjà pour l'accueil. Et puis merci de comprendre que j'ai besoin d'être soutenu. Parce que si vous avez besoin de moi, j'ai aussi besoin de vous. Voilà. J'ai aussi besoin de vous. Besoin de vous pour accomplir mon ministère. Parce que ceux qui étaient avec Jésus, il y a des gens qui le soutenaient aussi financièrement. Jésus aussi avait l'onction, mais il y a des gens aussi qui avaient l'argent pour le soutenir. Vous n'avez pas l'onction de chasser les démons, mais votre argent peut m'aider. Vous dites pas amen. Amen. J'ai toujours dit aux gens, le seul problème que j'ai remarqué pendant tout mon ministère, ma carrière qui me fait pleurer, la plupart, je ne dis pas tout le monde, ils ont affaire à mon don, mais moi-même, ça ne les intéresse pas. Parce qu'après qu'on finit de prier pour eux,
comment je mange, ça ne leur intéresse pas. Souvent, quand je dis aux gens, je suis fatigué, non, mais je suis fatigué. Souvent, je dis aux gens, attends, vous connaissez ce qu'on appelle fatigue? Je suis fatigué. Vous voyez? Donc, eux, ils ne peuvent pas imaginer que je dois me fatiguer. Ils ne peuvent pas imaginer que je dois aller manger. Mais ils ne savent pas comment je dors. C'est ce qu'ils disent aux gens à Paris. L'hôtel dans lequel je dors là, c'est 200 euros par jour. Vous allez me dire, ah, pourquoi tu ne dors pas? Non, je ne suis pas arrivé aujourd'hui à dormir dans un hôtel bizarre, je suis agressif, je ne suis pas à Paris. Vous comprenez? Mais on fait des sacrifices, ça dit, on se bat pour les autres. Et malheureusement aujourd'hui, les gens nous réservent des subis désagréables. C'est pour cela que je suis devenu très prudent. Et heureusement que je suis à tant d'un stade de mon ministère, je suis devenu très prudent. Vous attendez beaucoup de choses du prophète. Mais le prophète aussi attend beaucoup de choses de vous. Ben oui. Si Dieu donnait et cassait les plafonds pour avoir l'argent, je n'ai pas souffri. Amen. Vous êtes triste? On attend de faire un dialogue entre père et les enfants. Amen. 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 Alléluia. C'est vous. Ma part, c'est de prier pour vous. Mais qu'est-ce que vous faites en retour? J'ai ma fondation. Amen. Amen. J'ai ma fondation. Vous m'apportez quoi en retour? J'étais dans d'autres pays. Ils ont payé mes CD. Ils m'ont aidé. Donc j'attends beaucoup de choses aussi de vous. Et merci déjà pour le porte-parole qui a fait sortir cette histoire de... on sont prêts à te soutenir. Ça m'encourage. Ça me donne beaucoup de force. Sinon, il faut prier pour nous seulement, puis j'attends pas. On va te soutenir. Je vous vois en bizarre, hein? Ah oui, je vous vois en bizarre. Pourquoi je prie seulement pour vous? Et puis, vous, je dois rien attendre de vous. Mais oui, je dois aussi attendre quelque chose de vous. Vous êtes là, vous êtes convaincu, vous voyez le travail que je fais. Si ce n'est pas accompagné, c'est difficile. Il y a des gens qui sont responsables des partis politiques, qui ne vont jamais les amener au ciel. Mais il y a ce qu'on appelle le droit d'adhésion et le cotisation mensuelle qui fait fonctionner un parti politique. Notre parti, c'est le parti de Jésus. Si tu ne sèmes pas dedans, mais tu ne vas rien récolter. Vous avez un ministre aujourd'hui, le prophète Crasso. Je ne suis pas celui-là qui... Mais moi, je sème. Je fais toujours les points. Je sais. Donc, je suis très heureux d'être parmi vous. Voilà, je suis très heureux d'être parmi vous. On aura l'occasion, par la grâce de Dieu, de passer un bon moment. Je ne dis pas malheureusement parce que je n'ose même pas prononcer. J'ai pas assez de temps à cause de l'église sur Paris. Je suis obligé dans l'obligation de partir samedi. Par la grâce de Dieu, je ne suis pas le prophète qui va venir. Et comme vous avez dit, selon ma disponibilité, j'aurai l'occasion de faire un planning, prier pour des gens. Heureusement que votre pays m'a donné un visa de long séjour. C'est dedans. Donc, je vais exploiter ça. Voilà. On s'apprêtait pour le Canada. Donc, j'acceptais l'Angleterre. Et je m'apprête aussi pour le Canada. Je suis en train de préparer une convention. Justement, c'est tout ça. C'est la convention. On est en train de préparer la convention. J'ai aussi une église qu'on veut construire à hauteur de 400 millions. Vous allez dire, mais c'est cher. Mais à la dimension de Dieu. Moi, j'ai toujours rêvé. Voilà. Et mon rêve souvent choque les gens. Quand je rêve, ça choque les gens. Quand j'ai décidé de construire l'orphelinat et faire le point, les gens fuient de l'église. Un an après, ils sont revenus. Ils sont venus, mais ça leur dit, mais toi, on ne peut pas te suivre. Il dit, mais pourquoi toi, tu as me suivre? Parce que c'est ça. On n'a pas la même dimension. De toute façon, j'ai vu Jésus, là, c'est pas comme ça, toi, tu l'as vu. De toute façon, je vois Jésus, pas comme toi, tu le vois. Je sais qu'il est. C'est pour ça que moi, quand je vais faire quelque chose, c'est grand. Parce que Dieu est grand. On aura aussi besoin de vous pour votre soutien, votre appui, votre apport, votre soutien. Parce que ce pensement, il va prier pour nous. Mais j'ai prié pour vous. Qu'est-ce que vous m'apportez pour développer mon ministère, pour m'aider, aller nourrir les enfants qui sont en difficulté, aller développer mon ministère. Et ça, c'est vraiment très important. Qu'est-ce que vous m'apportez? Dieu merci que dans l'intervention du porte-parole a dit, on sommes prêts à te soutenir. Vous l'avez dit devant tout le monde, gloire à Dieu. On va voir. On verra si vous êtes vraiment les meilleurs. On verra ça. Parce que j'ai fait un point. Avant de voyager à l'aéroport, je ferai le point devant tout le monde. Si vous avez menti, vous avez dit la vérité, je vais dire à tout le monde. Ah, ça en dirait, vous avez dit. Peut-être que les colis, je ne vais pas parler. Parce que c'est déjà bon, puissant déjà. Ça, le fait de présenter déjà un colis. Mais moi, ma joie, c'est de déjà vous voir.
Il y a des gens, quand vous rencontrez, Dieu change votre destinée. Qu'il y a une alliance. Dieu prend des gens qu'on ne considère pas. Il tisse avec eux une alliance. Je connais mon alliance avec Dieu. Je suis convaincu de mon appel. C'est-à-dire, je ne doute pas de mon appel. Amène-moi même au Bénin, comme j'ai fait tout récemment. Je vais mater parce que je fais confiance et je crois mon appel. Je suis là pour vous aider. Je sais comment vous souffrez. Je sais ce que Dieu m'a dit par rapport à la diaspora. Je sais qu'on aura l'occasion de prier ensemble et Dieu va bénir. Mais de grâce, suivez-moi. Voilà. Suivez-moi. Comme vous avez dit, je priais pour tout le monde. On aura une réunion, peut-être qu'après ça, on va boucler avec la caméra. On va planifier certaines choses qu'on va dire en secret. Pour ma prochaine venue, où je viendrai peut-être pour 10 jours, ça me permettra de faire quelque chose de fond. Parce que c'est comme ça. Les pays où sont partis, on est passé peut-être 2 fois. Voilà. En Italie, je crois que je suis passé 2 ou 3 fois. En Suisse, c'est pareil aussi. Dans d'autres pays, c'est comme ça, on est passé. Pour faire asseoir un bon comité qu'on suit après. Voilà, donc, merci, je suis très content. Je pense que je me suis levé, et comme je l'ai dit à la réunion hier, ce que Dieu va me dire, c'est ce que j'ai fait. Je respecte vos lois. Je suis prédicateur de l'Évangile. Voilà. Je suis prédicateur de l'Évangile. Je ne vous connais pas. Je connais quelques-uns d'entre vous, Dieu merci, on aura l'occasion. Mais je ne peux pas me lever un matin comme ça, aller dans cette personne. Pour le moment, on va se rassembler dans une maison. Écoutez-moi, on va prier pour vous. Si Dieu me met à cœur d'aller rendre visite à 2 ou 3 personnes, je ferai ça. Mais pour le moment, on se mettra quelque part. Parce que je ne veux pas, je n'ai pas assez de temps. Pour courir 1 heure du temps dans Londres, j'ai vu Londres, je suis sorti un peu, je vois comme Londres. Ça va m'épuiser. Voilà, ça va m'épuiser. Mais selon l'inspiration de Dieu, je vais commencer. Et j'ai dit aux gens, trouvez-moi une petite salle. Ça va m'aider à rassembler les gens là-bas rapidement. Leur donner un message du Seigneur, juste être en contact avec eux. Je pense que ça a été une chose faite rapidement. On va prier pour vous. On a demain soir, vendredi soir. On se dira au revoir samedi. Je vais rentrer. Dans le but de revenir la prochaine fois, faire encore beaucoup de jours avec vous cette fois-ci. Comme ça. Parce que si vous voulez m'épuiser, c'est que vous n'avez plus besoin de moi demain. Voilà. Si vous voulez me prendre maintenant, me presser, comme l'homme nous dit, ça veut dire que vous n'aurez plus besoin de moi demain. Je suis en train de charité. Voilà. Pour dire, je suis un programme du Saint-Esprit. C'est ce qu'il m'a demandé de faire. Et je vais m'atteler à ça. Voilà. On va se rassembler ensemble demain. On priera. Demain matin, je vais me lever. Selon Dieu, on va commencer. Je vais commencer à dire telle chose. Je vais aller matin. Demain, c'est jeudi. Vendredi matin aussi, je peux intervenir chez les gens. Selon l'inspiration de Dieu. Mais les soirs, on se rassemblera quelque part pour prier. C'est la même prière. Que ça soit chez toi ou pas. Mais si Dieu me pousse à aller chez toi. Mais la prochaine fois, ça sera plus intéressant. Je serai moins épuisé. Parce que si j'ai fait 10 jours, par exemple, ça me donnera beaucoup de tonus à faire un travail de fond. Parce que mon travail, ce n'est pas les petites prières. Moi, je m'en vais quand c'est dans une maison. Si j'ai des têtes, je peux faire 2 heures. Je ne suis pas celui, quand il commence, il faut l'arrêter. Non, je ne suis pas pasteur. Sur ça, Viti, si c'est qu'on a commencé, on nous donne de 12 heures à 15 heures. Je prends Alléluia, il est déjà 15 heures. J'ai dit, mais ils vont me tuer. Je suis allé me mettre en genoux. La dame dit, je vous donne de 14h à 20h. La dernière fois, elle m'a dit que je suis à 23h. Donc, j'ai fait mon ministère, vous voyez. Donc, que Dieu bénisse les vrais enfants de Dieu même. Les enfants du diable, même pas. Et ça, je suis d'accord avec ça. Parce que je n'aime pas aussi marcher enfant du diable. Parce qu'on n'a pas le même esprit. J'aime marcher les gens qui sont dans la vérité. J'aime marcher les enfants, les gens qui aiment faire évoluer les gens. Je suis contre les gens qui aiment détruire. Voilà. Ceux qui sont viennent pour détruire là. Moi, je suis contre ça. Si je suis avec toi, je vais te faire avancer. Si je ne suis plus d'accord avec toi, je ne me sépare de toi. Je ne suis pas dans l'obligation de te nuire. Parce que je n'ai pas cet instinct en moi. Ce qui est en moi, c'est de faire du bien. Mais si je n'approuve pas ta voix, je me sépare de toi. Mais sans te nuire. Voilà, sans te nuire. Donc, je suis content d'être là. C'est ma première fois à Londres. Je pensais que Dieu bénisse. On s'est baladé quand même. Hein. On avait chez la reine, c'est ça, non? Le palais, c'était joli. Tout ça. Londres est joli quand même. Amen. Hein? Londres est joli. Hein? Que Dieu bénisse pour cette visite. Amen. On s'est quand même baladé à Londres.
Je suis allé voir les points symboliques. C'était super. Amen. Alléluia. Que le Seigneur bénisse. Tout à l'heure, on aura l'occasion de prier. Je vais prier pour vous. Mais pour l'heure, ça va. Je suis très bien logé. Tout va bien à merveille. Mon souhait, c'est que Dieu puisse vous bénir. Vous êtes sur une terre. Même si vous avez la nationalité, les Blancs m'ont dit, tu es d'origine de Côte d'Ivoire. Faut laisser anglais qui parle là. Frère, Atia, tu es d'origine de la Côte d'Ivoire. Ils vont te rappeler ça. Non, c'est-à-dire, oh, origine c'est là-bas. J'ai une fois vu un Blanc, un Anglais noir. Depuis quand? Amen. Pour vous dire, l'Afrique que vous voyez aujourd'hui, l'Afrique est le continent de l'avenir. Notre Afrique est le continent de l'avenir. À cause de la sorcellerie, on a peur. C'est normal parce que les sorciers sont dangereux. Mais écoutez, ils ont compris. Hein? Eux, ils viennent maintenant ici. Hein? Chacun a son avion, chaque sorcier. Eh Bangolo, eh Tofla, eh Diokwe, eh Bayota, eh Ganywa, eh Tiasale. Ils sont venus, ils sont là. Eh Rebrié, ils sont là. Eh Dabou, ils viennent. En 15 minutes, ils sont chez vous. Ils envoûtent vos enfants. J'ai causé avec un frère, le frère Diara. Il dit, il y a une police spéciale pour les enfants noirs. Parce que les enfants s'entretuent. Frère, comment vous trouvez ça? Si ce n'est pas sorcellerie. Les enfants noirs sont plus dangereux que les enfants blancs. Comment vous trouvez ça? Et en France, c'est pareil. Les enfants noirs, ils ne vont pas à l'école. Ils ont un esprit bizarre, bizarre et bizarre. Pendant qu'on pense qu'on est loin des parents, ils gênent nos enfants. Ils viennent, ils prennent ton enfant, ils boivent son cerveau. Rien. Un pays où on peut réussir, ton enfant, il est dernier de la classe. Il a peur d'aller à l'école. Comment vous trouvez ça? Celui qui doit prendre la relève, il est en Angleterre, en France, où l'école c'est gratuit, où on encourage. Lui, il a peur des mecs. C'est pas comme à Divo, il a faim, il pleure à cause de faim. Mais il y a tout ici. Et les enfants s'entretuent entre eux. Mais c'est l'esprit de la sorcellerie qui est en train de détruire la diaspora. Malheureusement aussi, au milieu de la diaspora, il y a cette jalousie haineuse. Tu réussis aujourd'hui, les gens pensent que tu as vendu drogue. Tu réussis, on pense que tu es homosexuel. Et c'est la jalousie, on ne veut pas aider l'autre, mais on est jaloux. On a cette haine et cette méchanceté. La haute sorcellerie. Mais ce n'est pas parce que les gens ici n'ont pas la sorcellerie. Il y a la sorcellerie ici. En 2015, en pleine croisade dans ma salle, à Noisy-le-Sec, j'ai prié, j'ai chassé l'esprit de sorcellerie. Il y a un homme qui est tombé. Il veut parler, il dit, il y a quoi? Il dit, j'ai mangé les trompes de ma femme avec son djimblé et placali. Mais la vidéo est là. Demain, j'aurai l'occasion de vous montrer ça. Il a bien déprécié les trompes et puis il a fait la sauce djimblé. Il a versé dedans. Un placali. Un Parisien. Qu'est-ce que tu fais? Il est tous les soirs, hein? Il va en Afrique. Il revient pour vous dire, donnez vos vies à Dieu, à Jésus-Christ. C'est le seul remède contre la sorcellerie. Mais n'oubliez pas votre retour. Comment vous ignorez ça? Non, c'est-à-dire que, frère, il y a des terres là-bas. Le rêve d'un Chinois, c'est de posséder la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils n'ont plus de terres. Ils n'ont plus de terres. L'Europe n'a plus de terre. L'Asie, pareil. Les Amériques, pareil. Ils sont convaincus, unanimes là-dessus, que le continent d'avenir, c'est l'Afrique. Donc, si tu as un petit argent, il faut aller faire ton champ. Le champ de Jemzien, ça peut te faire des millions. Après un an. Moi, je ne savais pas que carotte et concombre pouvaient donner l'argent. J'ai dit, mais concombre, il y a quoi? Ça te fait 3 à 4 millions après 3 mois. Mais c'est de ça qu'on va parler demain. Amen. Il faut chercher à construire.
Mais s'il y a des blocages, il n'y a que Dieu seul qui peut débloquer cette situation. C'est pour ça que je suis venu vous aider. Quelqu'un est musulman, il a besoin de moi, je le délivre. Moi, je ne suis pas bloqué dans la tête. Si tu as vu que Jésus-Christ est bon, qu'il a moi, si tu viens, je délivre. Mais je te dis que la solution, c'est Jésus. Hein? Ah, toi-même, tu sais ça. Amen. Parce que moi, je suis ancien enfant des musulmans. Mais qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse toute la diaspora. Que le Seigneur vous ouvre les portes. Et que la sorcellerie soit matée. Au moins, vous avez quelqu'un qui n'a pas peur. Qui sait vivre à Paris. Qui sait vivre à Londres. Qui peut aller vivre même à Tofla. Moi, je dors partout. Dans n'importe quel village, je peux dormir. Amen. On va se tenir debout. Et nous allons prier un instant. Nous allons prier pour confier le programme au Seigneur. Nous allons dire au Seigneur de bénir d'abord toute la diaspora. À partir de Londres, nous allons prier pour l'Europe, tous nos frères africains qui sont en Europe. Amen. Nous allons prier pour tous nos africains qui sont, n'est-ce pas, aux Amériques. Nous allons prier aussi en Asie. Et que Dieu les amène à faire cette expérience de Christ. Parce que c'est important. Même si on a de l'argent, qu'on n'a pas rencontré Jésus, ce n'est pas encore la solution. Et qu'ils fassent l'expérience de Christ. Et que Dieu donne le moyen à ces personnes. Vous allez me dire, mais pourquoi on ne prie pas les gens de là-bas? Pourquoi? Parce que les gens de la diaspora, ils apprennent beaucoup de choses. Ils viennent, ils repartent avec des grandes connaissances, hein, pour développer l'Afrique. Amen. Donc nous allons lever les mains pour prier. Et nous allons demander au Seigneur de nous de bénir. Prions ensemble le Seigneur. Nous voulons te prier, Seigneur notre Dieu. Nous voulons te prier que ta main puissante soit étendue sur toute la diaspora et que tu nous manifestes une bonne espoir puissante, Seigneur notre Dieu. Et que ta main se manifeste et que ta gloire éclate, Seigneur notre Dieu. Tu te manifestes, Seigneur notre Dieu, et tu agis. Une bonne espoir de puissance, Seigneur. Merci de glorifier ton nom. Merci d'agir. Merci. Merci de manifester. Nous allons prier pour tous ceux qui sont en Angleterre. Nous sommes sur la terre anglaise. Nous allons prier pour tous nos bien-aimés qui sont ici, même tous ceux qui sont dans cette salle. Demandons au Seigneur de les visiter et de faire grâce. Prions ensemble, Seigneur. Nous te prions, Seigneur notre Dieu, dans ta souveraineté. Nous te prions de te manifester, d'agir d'une manière forte et puissante, Seigneur notre Dieu. Enfin, de visiter les bien-aimés, Seigneur notre Dieu. Oh Jésus-Christ de Nazareth, merci pour ta Seigneurie et merci de te manifester. Merci d'agir fortement, notre Dieu. Merci pour ta force. Merci pour la puissance de ton esprit. Merci de la vie. Merci Seigneur notre Dieu. Et c'est dans le nom de Jésus que je prie. On dit Amen. Amen. Voilà, veuillez vous asseoir, que Dieu bénisse. Amen. Amen. Voilà, sans plus tarder, je vais demander à maman Anastasie de tenir debout bien. Je tenais, c'est vrai, le porte-parole à parler tout ça. Mais je tenais à dire un vivant hommage à maman Anastasie. Tu te mets là. Elle m'a poursuivi depuis Divo. Dans les coulisses, elle disait non, il faut que le prophète vienne. Elle dit allons, j'ai banalisé. Et puis à un moment, lui m'a dit je suis d'accord. Donc elle a joué un grand rôle dans ma venue sur Londres.
Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour notre maman Nastasie. Quand quelqu'un fait quelque chose, il faut être en mesure de lui dire merci. Si tu ne fais pas ça, tu es sorcier. Parce que vous devez savoir d'où c'est parti. Et ils se sont tous rassemblés, les enfants spirituels. Et c'est moi qui ai dit à maman Nastasie, tu vois monsieur, tu vois le monsieur là. Tu t'étais de voir Idara. Il dit, tu vois lui là? Il dit, lui là, c'est mon élément il y a longtemps. Si tu veux mon élément des gars, ça va plus te motiver. C'est comme ça, Aïdara est venu le coup. Lui, tout ça. Mais en même temps, viens maman. On dit, voici la fan club. Merci que Dieu te bénisse. Tu sais qu'on a une fan club sur Facebook. Ce qui me plaît chez elle, les Congolais, c'est ça? Je suis ton papa et tu es ma maman. C'est comme ça on marche maintenant. Merci. Voilà, elle, on dit pour le prophète, elle est toujours prête. Que Dieu te bénisse. Amen. Parce que m'envoyer ici avec maman Nastasie, avec toute votre équipe, que Dieu vous ouvre les portes. Il y a des choses, on ne prie pas, on bénit. Merci. C'est ce que les gens ne savent pas. Et Isaac dit, viens, je vais te bénir. Il n'a pas dit, je vais te prier, prier. Il y a des actions que vous menez, l'homme prie pour toi, il te bénit. Et en te bénissant, ça t'ouvre beaucoup de portes. Demain, je vais parler sur toi. Je ne vais pas manger, puis je vais venir parler. Que Dieu te bénisse. Pour dire, tu as vu les pasteurs congolais. C'est Ivarien là, tu as dit, je l'aime. On acclame le Seigneur. C'est ça. Le mangeur de Tikiti, Brala, Djumblé, Platali. Tu dis, c'est lui là, j'aime. Moyen de Tikiti. Si, si, je voulais manger, j'ai cherché dans tout l'homme. J'ai dit, pardonnez. Cherchez sur Google, où on fait nourriture africaine. Et mon histoire là, vraiment. Que Dieu m'aide, hein? Mon estomac ne s'intègre pas. Mais c'est bon quand même. Parce que j'ai fait marcher les restaurants africains. On allait trouver. On a mangé, j'ai dit. On m'a installé, elle est dangereuse dans ma nourriture. Tu ne peux pas bien. Hein? Que Dieu. Je suis content. Voilà, je suis content. Parce que quand quelqu'un m'aime, c'est que la personne est bon esprit. Donc que Dieu te bénisse. Ce n'est pas tous les pasteurs qui m'aiment. Ce n'est pas tout le monde qui m'aime. Moi-même, il n'y a pas que tout le monde m'aime. Mais les vrais enfants de Dieu doivent m'aimer. Que Dieu te bénisse. J'aurai l'occasion que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. J'en profite pour saluer tout le monde. Hein, pour vous scanner un peu. Hein? Ou bien, il faut que le Père vous salue. Donc, on vous salue un peu. Si le détecteur prend, vous allez faire des aveux. Ouais, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Sylvie, merci aussi. Alors, si elle a joué un grand rôle. Sylvie, que Dieu te bénisse. Nia, je vais manger gâteau de modèle. Ce monsieur-là, c'est un doula, Yarasuba, mais son affaire du prophète Rasso, ça l'a envoyé à Dibo. Lui-là, il dit, je me suis dépêché, j'ai quitté Londres, je suis venu te dire, je t'aime beaucoup. Oh, ça m'a fait chaud au cœur. Il dit, je ne sais pas comment, mais il faut que tu viennes à Londres. Je lui ai dit, je serai à Londres cette année. Tu n'as pas dit ça? Je suis convaincu, Dieu m'a dit, 2018, je serai à Londres. Non, merci à Londres. Tu m'as donné de toi. Hein? Monsieur, ça va? Yeah, papa. J'attends ma voiture Maserati. Hein? Ah ouais, la sortie. On dit les Anglais, supprimez-moi avec une clé Maserati. Comme ça, c'est bon. Que Dieu te bénisse. C'est qui
dit déjà? Thierry. Ok. À droite. Oui. Moi aussi, je suis très content. Je vous reconnais déjà à Paris, non? Non, non, non. Ah, non, non. Ça va? Madame Garasoula. Ah! Ça va? Yako, on va vous aider. Amen. Je suis très heureux d'être parmi vous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur répande sur vous sa grâce. Amen. Et que chez vous à la maison, que Dieu vous ouvre davantage de portes. Et que les difficultés que vous traversez, que Elohim, notre Dieu, le Dieu d'Israël, par Jésus-Christ, vous délivre de ces situations et vous bénisse. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Je tenais à dire à tout le monde que demain soir, on aura une rencontre. Donc, une rencontre pour prier pour moi, pour vous, pour les gens. Il faut qu'on vous enseigne, il faut qu'on vous évangélise. Ce n'est pas l'évangélisation de masse, mais une petite rencontre quelque part. Juste prier pour vous. Et puis, bon, on aura quelque chose à projeter dans l'avenir par la grâce de Dieu. Voilà, donc on aura l'occasion de donner les contacts, les adresses déjà, ils savent déjà comment faire pour se rassembler. Venez avec vos familles, tirez-les. Pour le moment, on ne peut pas aller maintenant dans les familles. Ça va épuiser. Venez dans la salle dans un premier temps. Selon l'urgence, le besoin, Dieu nous inspirera. Mais demain soir, on commence déjà à prier dans la salle. Et encore vendredi soir, on aura l'occasion. Déjà à partir de demain soir, on peut déjà dans la matinée. Moi, quand je commence le travail, c'est ça. Voilà, donc on peut déjà commencer. Mais déjà, je suis très heureux d'être là à Londres et que Dieu vous bénisse. Que la terre de Londres vous facilite les choses. Prenez tout leur argent. Amen. Mais dites amen. Amen. Prenez leur argent. Amen. Alléluia. Amen. Vous venez investir en Afrique. Amen. Que Dieu vous donne la possibilité de construire des maisons. Amen. Et que Dieu vous ouvre les portes. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.